À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. D'où viennent les informations? Télévision, radio, journaux, internet. Tu as accès à plein d'informations. Pour trouver ces informations, les journalistes partent en reportage, observer des événements, interroger des témoins, mener des enquêtes. Quand ils ne sont pas sur le terrain, ils s'appuient sur des sources pour récolter les informations. Mais d'où viennent ces sources? Les agences de presse sont une des principales sources d'informations. Leurs collaborateurs se relaient jour et nuit pour surveiller le monde entier et être présents dès qu'il se passe un événement quelque part afin d'en informer les médias. Les attachés de presse, eux, préviennent régulièrement les journalistes sur les activités de leur chef. Les journalistes comptent aussi sur leurs relations pour ne pas louper un scoop. Selon leur spécialité, ils ont dans leur contact des scientifiques, des juges, des policiers ou des personnalités politiques. Les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter ou Instagram, sont aussi des sources inépuisables de renseignements, plus ou moins vrais. En effet, pour faire rire ou se faire remarquer, les gens racontent parfois des mensonges. Certains disent aussi des bêtises, car ils n'ont pas vérifié ce qu'ils écrivent. C'est pour ça que le journaliste vérifie toujours ses informations auprès de spécialistes, d'autorités officielles et même d'autres médias. Quand il est sûr de lui, le journaliste peut alors écrire son article. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.